Shalom Bracha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie. Baruch Atah Onem Echalam, Shalkon Yavdo. Alors, il y a des gens qui m'ont dit il ne faut pas boire beaucoup de thé. On me dit ne pas prendre beaucoup de café. Alors, c'est une verveine. J'espère qu'il ne va pas y avoir des gens qui vont me dire pas de verveine. Alors quoi, de l'eau? Allez, mes amis. Chaque matin, on ouvre les yeux. On dit, Baruch Hashem, que je suis vivant. Modé ané lefanecha. On remercie Akadosh Baruch Hu qu'on est vivant. On voit, on entend, on parle, on marche. On se gratte la tête, on finit tirat yadayim. On bouge, on boit, on avale. Et Baruch Hashem, le corps, il est bien. Grâce à Dieu. Mais, quelle force! Quelle force elle nous fait avancer. Ben c'est Hachem. Une fois, mes amis, j'étais dans un avion. Il y avait un philosophe, un qui fait la recherche, qui a essayé de me parler. On a commencé à parler. Et puis, il a commencé à me dire qu'il était au Brésil. Il a découvert des ossements d'il y a 20 millions d'années, etc., vous savez. Bon, moi, j'écoute, je ne peux rien lui dire. Vous savez, moi, je crois que le monde, il n'a que 6 000 ans, moins de 6 000 ans. Alors, je le regarde. Et puis, on a commencé à parler. Et je lui dis, tu crois en Dieu? Il me dit, non, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé Dieu. Je lui dis, mais Dieu, tu ne peux pas le voir. On ne peut pas faire des recherches comme ça. Dieu, tu les découvres uniquement si vraiment tu veux. Mais si tu cherches pour trouver quelque chose et découvrir quelque chose pour avoir un prix Nobel, alors tu penses qu'au prix Nobel, tu ne penses pas à Dieu. Parce que le prix Nobel, c'est Dieu. C'est lui, c'est à Dieu que ça revient le prix Nobel. C'est lui qui a tout construit, c'est lui qui a tout créé. Toi, tu n'as rien fait, toi. Je dis, toi, tu n'as rien fait. Tu découvres ce que le bon Dieu a déjà créé. Tu ne découvres pas quelque chose de nouveau. Enfin, mes amis, à un moment donné, je lui dis, tu vois qui est à côté de moi? Il me regarde et me dit, non. Je dis, tu vois quoi? Il me dit, ben, je te vois toi. Je dis, avant, tu me vois que moi. Je dis, ben, c'est ça l'erreur. Moi, je te vois, mais je ne te vois pas. Moi, je vois en Dieu, en toi, Dieu qui t'a créé. Il y a Dieu. Là où il y a Hachem, il y a Dieu. Là où il y a Hachem, il y a Kadosh Baruch Hu. Et là où il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la chose qu'on cherche. Vous voyez cette paire de lunettes? Cette paire de lunettes, le fait que je peux l'utiliser, c'est qu'il y a Dieu dedans. Je suis vivant, c'est qu'il y a Dieu en moi. Il y a un stylo que je peux écrire, il y a encore de l'encre, c'est qu'il y a Dieu dans le stylo. Je peux écrire. Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Mais toi, tu ne vois pas Dieu. Parce que tu ne veux pas. Parce que tu ne veux pas chercher. Parce que toi, tu crois, tu penses que tu connais tout. Alors, puisque tu connais tout, et tout, c'est une invention. Comme tout à l'heure, il y a des savants qui disent que l'homme, il vient du singe. Alors ça veut dire que le singe, c'est mon grand-père. Je dis, moi, mon grand-père, il s'appelait Rabbi Haïm Pinto. Mon père, il s'appelait Rabbi Moshe Aaron Pinto. Il ne s'appelait pas Monsieur Singe. Non. Mais toi, tu crois que tu...
que tes aïeuls, c'est des singes, alors je te crois. Si tu penses comme ça, je te crois. Mais non, non. On ne vient pas des singes. Le bon Dieu ne va pas créer un monde pour les singes. Et du singe, il va sortir l'homme. Pourquoi? Ah ben oui, c'est ça la civilisation. Non. Tu ne peux pas me prouver que c'est comme ça. Et tout ce que vous allez découvrir, c'est du mensonge. Vous pouvez pas me... Comme que vous ne croyez pas dans ma Torah, pourquoi voulez-vous que je croie dans vos inventions? Moi, j'ai du sûr devant moi. Et je lui ai rappelé ce que Noam Elimelech dit. Noam Elimelech dit que le Teva, c'est quoi le Teva? Le Teva, c'est la nature. La nature, il pleut. C'est la nature. Au Hachem, j'étais dans des îles tropiques. J'ai vu les forêts, la nature, mais c'est un monde. C'est un monde, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et chaque fois, je disais, Marabou, Ma'asecha Hachem, il n'y a que Hachem. La nature, c'est Hachem. Mes amis, n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, mes amis. Que la nature, il dit le Noam Elimelech, la nature, c'est Elohim. Si vous calculez le mot Teva, calculez le mot Elohim, Dieu, c'est le même chiffre. Ça veut dire que la nature, c'est Hachem qui l'a créé. Mais il y a Amalek. Amalek, c'est le Safek, c'est le doute. Il y a Amalek, le doute, qui te dit non, la nature, c'est la nature. Mais mes amis, si Hachem, il sort de la nature, elle tombe. La nature, elle disparaît. Mes amis, où il est Hachem, il est partout. Il est à côté de toi. Là où tu vas, tu le trouves. Mais cherche-le. Le bon Dieu te protège. Amen.